Bonjour, c'est votre chef Astrid qui revient pour une nouvelle recette de tomme tartine, une tarte aux poireaux et aux chèvres et aux petits crottins de chèvre. Alors, pour cela, j'ai besoin de 4 poireaux, de 20 g de beurre, de 20 g de farine et de 30 centilitres de lait entier pour faire une béchamel et une pâte brisée que j'ai mis dans un cercle ou un moule de 26 cm de diamètre. Donc là, je vais commencer par couper mes poireaux en rondelles pour les faire revenir dans une poêle. Voilà, mes poireaux sont en train de revenir dans ma poêle et à côté, je vais faire ma béchamel. Donc je vais faire fondre mon beurre dans une casserole. Dès qu'il sera fondu, j'ajouterai ma farine. Je remuerai et j'ajouterai mon lait petit à petit. Voilà comment faire une béchamel. Faire fondre le beurre, ajouter la farine dès qu'il est fondu et remuer et ajouter le lait petit à petit. Voilà, mon beurre est fondu et je vais ajouter la farine et je vais remuer avec mon fouet pour faire une petite pâte. Voilà, c'est bien que la farine est complètement disparue. J'ai une pâte et je vais ajouter mon lait petit à petit. Alors voilà, j'ai mélangé mes poireaux avec ma béchamel et j'ai rajouté mes tranches de chèvre et je vais enfourner à 180 pour 30 minutes.